La détermination des personnes ayant pris part à ces deux jours de renforcement de capacité a été saluée par la secrétaire générale adjointe du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. La détermination dont vous avez fait montre traduit à suffisance votre degré de conscientisation face à l'amélioration de la qualité du service public rendu aux usagers cibles qui vous sollicitent au quotidien, notamment les entreprises sociales, les associations et les coopératives en vue de leur autonomisation. Pour les participants, cet atelier est une bonne initiative. Ça nous a permis aussi d'actualiser nos connaissances au niveau de l'économie sociale. Parce qu'on a l'apport de quelqu'un de l'extérieur qui vient nous édifier, je crois que ça nous fait du bien. Pour les outils de la Direction générale de l'économie sociale dont je fais partie, cette formation vient à point nommé parce que dans le quotidien, il nous manquait encore certains outils. Mais avec cette formation, non seulement j'ai appris beaucoup de choses sur le vécu, le quotidien des associations, des coopératives et la mise en œuvre de leur apprentissage et leur encadrement sur le terrain. Ces deux jours de renforcement de capacité ont été bénéfiques pour les participants qui ont souhaité que ce genre d'atelier se poursuive.